Salut, c'est Keren, bienvenue sur notre chaîne YouTube et pour notre nouvelle vidéo, encore une fois, dans la cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une entrée estivale gourmande, c'est du pain farci aux sardines. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, c'est assez simple à faire. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de 2 poivrons, d'une baguette de pain, en l'occurrence j'ai pris du pain complet, de 6 sardines, de 75 g de beurre et d'un citron pour le jus. Maintenant que vous savez tout, c'est parti la préparation. Alors, j'ai pris 2 baguettes de pain. La première va me servir à récupérer la mie de pain et la seconde me servira à dresser la farce sur le pain. Donc, tout simplement, premièrement, on va récupérer la mie de pain. Une fois que j'ai récupéré ma mie de pain, je vais préparer les poivrons que j'ai bien sûr nettoyés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le poivron? C'est assez simple. On enlève les pépins et on coupe les poivrons en petits dés. Voilà. Et on fait ça avec les poivrons. Je continue et vous retrouve juste après. Nous voilà. Donc avec la mie de pain que j'ai récupérée sur une baguette et demie, je vais malaxer 75 g de beurre. Pendant que je malaxe le pain et le beurre qui vont former une pâte assez homogène, Steve va retirer les arêtes des sardines. Et on se retrouve juste après. La mie de pain a été malaxée avec 50 g de beurre. Encore une fois, nous avons réduit les quantités parce que nous sommes 3. Donc dans une poêle qui est bien chaude, je vais rajouter 75 g de beurre. D'accord ? J'augmente un petit peu le feu. Donc on a coupé les poivrons en petits dés. On a enlevé les pépins. On a réservé le persil à côté. Et Steve a bien sûr, sur les 6 sardines, il a retiré les arêtes. J'ai fait le plus gros du boulot. Donc, mon beurre est en train de fondre. La première chose que je vais faire, c'est que je vais faire revenir mes poivrons à l'intérieur. Voilà. Toujours sur feu doux, ça chante. Ça chante et ça commence à sentir bon. Je vais récupérer les sardines que je vais mélanger à la mie de pain. Voilà. Le citron va intervenir en dernier. D'ailleurs, le voici. Alors, on fait revenir les poivrons. On continue. Ça sent bon, hein? Vous avez l'obligation, après cette recette, de nous faire un commentaire. Parce que les tomates farcies, on vous remercie. A priori, vous avez aimé la recette. Mais commentez et partagez. C'est ça qui est intéressant quand on partage des recettes comme ça. Voilà. Mon pain malaxé au beurre et bien mélangé à la sardine. Mes poivrons, je vais les laisser encore un petit peu reposer. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, puisque c'est quasiment fini là, vous en êtes vraiment à la fin. Il manque juste de couper le pain en tranches. C'est pas très compliqué ça. Vous entendez, ça chante. C'est formidable, hein, et ça sent bon. Les poivrons. Donc, je les ai fait revenir dans 75 g de beurre. Ils sont bien saisis. Le but, c'est pas qu'ils cuisent, hein, c'est qu'ils saisissent tout tranquillement. Donc, à ce niveau-là, j'éteins mon feu. Je vais mélanger les poivrons à ma préparation précédente. Je vous rappelle que c'est du pain, la mie de pain avec 50 g de beurre. Voilà. Et pour parfaire le tout,
pour donner un petit côté acidulé et tonique, on va rajouter un jus de citron. Un jus de citron que j'ai pressé, que je vais mélanger avec. Je rajoute du sel et du poivre. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, une petite recette à partager. Faites-vous plaisir ce week-end entre amis ou entre famille. On vous souhaite une bonne dégustation et on vous dit à très bientôt! Salut! Yes!